et de tous les gens qui se posent la question, il serait opportun de lire publiquement sur nos ondes le premier paragraphe de la décision. Disons d'abord qu'elle fait une, deux, trois, quatre, enfin, il y a quelque chose comme 8 ou 10 pages oui. de textes qui sont rédigés sur notre décision. Le premier paragraphe, qui est probablement le plus éclatant, dit, à la suite d'une audience publique tenue à Québec le 11 janvier 1984, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes annonce qu'il refuse la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de la station CGMF-FM Québec, laquelle expire le 31 mars 1984. Et le CRTC, évidemment, avec force de détail, comme on a pu en lire, par exemple, dans les décisions relatives à la station C'est quoi de Montréal et à la station Chaume également, explique le comment et le pourquoi et comment il a retenu les arguments. Des, tous les gens qui ont été entendus, autant CGMF que les représentants de CFLS et les représentants de, je m'excuse, CFLS AM Stereo et les représentants de Choix FM. Et nous avons également, en dernier paragraphe, je pense bien, une indication de ce que le Conseil entend faire. Et je vais le lire pour que les gens sachent bien. D'accord. Alors, on peut lire, tenant compte de tous les facteurs mentionnés au cours de notre décision, le Conseil estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de renouveler la licence de CGMF et d'approuver les modifications proposées à la promesse de réalisation, c'est-à-dire ce que nous avons demandé d'être, de devenir officiellement une station rock progressive. En raison de cette décision, le Conseil publie aujourd'hui, dans un avis distinct, un autre document, si vous voulez, là, un appel de demande relative à la prestation d'un service radiophonique MF dans la région de Québec. Ça veut dire que le Conseil demande à CGMF donc de fermer le 31 mars et à partir d'aujourd'hui invite quiconque qui veut exploiter une station radiophonique à Québec à se manifester. Et on peut lire, CGMF-FM Limité n'est pas exclu de soumettre une demande en réponse à cet appel. En d'autres mots, on peut retourner demander une licence, mais conformément aux dispositions de la loi sur la radiodiffusion, CGMF devra avoir cessé ses activités le 31 mars 1984, date d'expiration de la licence, et c'est signé le secrétaire général, M. J.G. Patnaud. Bon, d'accord, merci bien. Maintenant, après avoir énoncé les faits, je vais faire un commentaire. Oui, allez-y. Alors, l'attitude corporative de CGMF-FM Limité est la suivante. CGMF-FM compte comme absent actuellement l'un des membres de son conseil d'administration qui est retenu en Europe pour des considérations professionnelles, mais qui sera de retour au Québec et à Québec, bien sûr, dans des délais très courts. On parle de la semaine prochaine. CGMF-FM Limité ne fera aucune déclaration publique commentant cette décision avant le retour à Québec et l'analyse accompagnée de nos conseillers juridiques de la décision rendue par le CRTC. Et fort probablement qu'au cours de la semaine prochaine, CGMF-FM Limité convoquera une conférence de presse aussi publique que faire se peut et annoncera à tout le monde quelle est l'attitude de CGMF. Cependant, j'ouvre une parenthèse extrêmement importante, et c'est aussi important pour vous, mon cher JB, oui, je suis tout ouïe. Que pour les autres. Il y a actuellement un communiqué de presse qui a été émis par la presse canadienne et qui circule à travers toutes les stations du Québec et du Canada qui sont affiliées au service de presse canadienne et qui dit que le Conseil met la clé dans la porte de la station CJMF. C'est évidemment ce qui se dégage du communiqué officiel du CRTC aujourd'hui. Cependant, CJMF continue certainement et hors de tout doute ses opérations jusqu'à l'expiration de sa licence, c'est-à-dire le 31 mars prochain. Il est donc absolument et inévitablement certain, et on ne peut plus réjouissant de constater que nous sommes toujours en onde jusqu'au 31 mars 1984, et bien des choses peuvent arriver d'ici là. Ce qui est certainement très amusant de noter, c'est que traditionnellement, dans des cas comme ceux-là, et dans des cas même pires que ceux-là, le Conseil, avant de prendre une décision, le plus bel exemple est celui de Chaume, qui vient de sortir, se réserve toujours le droit de faire de plus longues analyses, et traditionnellement, je dis bien traditionnellement, enfin je reprends tes mots, le Conseil force toujours un ou une titulaire, parce qu'ils conjuguent toujours au féminin, ils ne sont pas sexistes, force toujours une titulaire à revenir à ce que sa promesse de réalisation lui commande. Mais il est évident que si le Conseil avait forcé, enfin on peut le croire, que si le Conseil avait forcé CGMF, quelque temps que ce soit, à revenir à une promesse de réalisation qu'on appelle Harmonie FM, nous aurions été à ce moment-là, je crois, je pense, directement en compétition avec CITF,
et avec Chic. Et je doute fort que deux des plus puissants réseaux de radio au Canada, soit Télémédia et Radio Mutuelle, auraient apprécié ce genre de manœuvre de la part d'un président qui est un ancien de Télémédia. Ça n'a pas été le cas, alors on n'a pas à se prononcer là-dessus. Le CRTC dit que vous n'avez jamais répondu aux lettres qu'ils vous envoyaient, comme de quoi... Ben écoutez, c'est public ici, le CRTC, je ne sais pas si vous l'avez vu, le CRTC a assorti sa décision d'un graphique. Et comme moi, je suis directeur des programmes de cette station, j'en suis particulièrement fier. Le CRTC, enfin, je le suis depuis septembre 82. Le CRTC explique le contenu de premier plan que CJMF s'était engagé à respecter. C'est la colonne à gauche ici, et on parle de 16 %. Ce que la loi demande, c'est la ligne pointillée que vous voyez ici. Les journalistes écrits sont toujours les derniers. Hein. Ils se déplacent pas. Ceux qui se déplacent pas. Il écrit toutes sortes de choses, mais ils se déplacent pas souvent. La norme minimum exigée de toute station radiophonique au Canada, station indépendante comme la nôtre, c'est 12 %. Et voyez que depuis le début de 83, l'augmentation des émissions, et ça, ce n'est que le graphique relatif aux émissions de premier plan, s'est passé du néant jusqu'à 10 quelque chose %. Et le Conseil a sorti ce graphique-là dans son document de plusieurs remarques qui disent qu'il n'y a pas eu d'évolution au cours de la dernière année. Alors, je veux dire, je ne fais pas de commentaires. Est-ce que vos émissions de premier plan s'inscrivaient dans la licence que vous aviez ou bien la nouvelle licence que vous étiez donnée? L'écart qui existait entre le 16 % que CJMF avait promis dans sa promesse de réalisation et le 12 % que nous respections, que nous mettions en onde depuis le mois de janvier 1983, cet écart-là était justifié par la disparition d'une compagnie québécoise qui fabriquait des émissions de premier plan, qui était reconnue comme telle par le CRTC et qui s'appelait Omnison. Cette entreprise-là appartenait au Montréalais Stéphane Venn et les émissions qui étaient fabriquées par Omnison étaient des émissions de radio qui étaient conçues pour permettre aux radiodiffuseurs comme CJMF à l'époque d'acheter de sources extérieures des émissions qui étaient définitivement qualifiées et qualifiables pour le CRTC. Et quand la compagnie Omnison a fait faillite, ou enfin, je m'excuse, j'aurais peut-être pas utilisé le mot faillite, mais en tout cas, quand elle s'est retirée du marché, il n'y avait pas aucune autre source d'approvisionnement. Alors, nous avons souligné au CRTC à nombreuses reprises que l'écart de 4 % entre le 12 % minimum de réglementation et le 16 auquel nous nous étions engagés dans le temps nous semblait justifié par cette espèce de disparition-là du marché. Vous avez l'impression d'être servir d'un cas d'exemple avec une décision comme celle-ci? Aucun commentaire pour le moment. Oui? Non, je n'ai pas une question. Et le show avec le Culture Club, le 31 mars, ça va être je pense, je ne crois pas que le CRTC empêche Culture Club de se produire au stade de Stoffara. Si le CRTC empêchait Culture Club de se produire au Forum, mais... Quelle date? Le 31 mars, c'est qu'en plus, c'était la dernière journée d'activité de CJMF. Il y aurait peut-être dans le public certaines réactions qui tendraient à remettre en question la nature de la représentation qui apparaît dans le centre du drapeau canadien, à savoir, avons-nous là une feuille d'érable ou un marteau et une fossile? Vous dites que d'ici au 31 mars, vous respectez tout ce qui a été entrepris par la station, mais est-ce qu'il y en a des promotions qui devaient se produire plus tard que le 31 mars, qui sont déjà en cours actuellement? Là? CJMF est la station FM numéro 1 Québec, alors ça nous oblige à planifier toujours pour le futur. On dit toujours de la radio que c'est le médium de l'instantané, mais je veux dire, CJMF est encore impliqué dans un paquet de promotions et entend bien les mener à bien. Exemple, si vous avez un show, quelque chose d'organisé au mois d'avril, c'est déjà en cours la promotion, qu'est-ce que vous faites avec ça? Il y a des gens qui sont venus se procurer des billets ou n'importe quoi. Ah, ben, comme je vous explique, les spectacles... Si Marc Simoneau décède demain matin, les Nordiques vont continuer de jouer. Mais là, je suis pas convaincu que le show de Culture Club va être présenté quand même, mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'engagement que vous avez pris vis-à-vis des auditeurs qui se sont procurés des billets ou n'importe quoi d'autre? Oui, mais Alain, ces auditeurs-là sont en possession des billets et peuvent aller voir le spectacle. Je vais répondre à ta question. Tout ce qui est externe aux opérations strictement directes et personnelles de CGMR, j'entends opérations radiophoniques, là, est souvent l'objet et le fruit de travail de promoteurs privés. Et je ne pense pas, à moins que je me trompe, là, que les gens qui ont entrepris des entreprises commerciales se retirent de ça parce que l'un des moyens de promotion qui était utilisé pour les mousser
semble être forcé de terminer ses opérations le 31 mars, à mon avis. Maintenant, question peut-être de savoir aussi quel genre de code d'écoute CGMF va obtenir d'ici le 31 mars. Les ratings radio, c'est quand? Les ratings débutent lundi. Théoriquement lundi. C'est-à-dire que la période de sondage, de prise de sondage, va du 5 mars jusqu'au 29 avril. Donc, englobe donc un grand nombre des semaines qui constituent le reste du mandat actif de CGMF FM de Montréal, soit 31 mars. Donc, j'allais apparaître sur Relief the Ring. Théoriquement, on paye toujours notre cotisation BBM. Alors, mais je pense que, comme je vous l'explique, CGMF va consulter ses aviseurs. Et puis, comme on l'a toujours fait dans le passé, on n'a jamais porté de geste qui soit le fruit d'une spontanéité gratuite. Tous les gestes qu'a marqué CGMF au cours de ses opérations me semblent à moi, de bonne foi en tout cas, avoir été marqués par le fruit d'un calcul. Et M. Mongeau, le président des audiences, lui-même reconnaissait en plein cœur des audiences, et je me souviens textuellement de ses paroles, que personne sur le sein du conseil et personne au sein du public et des journalistes ne semblait... Ah non, c'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit que personne ne semblait remettre en doute la bonne foi des représentations faites par les représentants de CGMF. Alors, on est très flatté de cette observation-là et on considère que c'est toujours vrai. Tout à notre honneur et c'est toujours vrai. Et ça l'a toujours été.